pas comme ça les jeunes là. C'est le projet qu'on avait mis en place, on appelle l'électricité pour tous. Donc dans ce projet là, il y a donc tous les kits qui coûtent pas cher, soit qui font seulement la lumière. C'est vraiment précis, hein. C'est un projet précis, soit quelqu'un peut vous dire par exemple, moi je veux juste la lumière, comme là. Il prend juste la lumière, que la lumière, par exemple pour l'extérieur. Il peut vous dire, moi je veux par exemple alimenter, je veux faire la lumière plus la télé. Il fait de la lumière plus la télé. Okay? Là, c'est aussi un projet qui fait la même chose, mais là, ça fait l'eau et l'électricité. Donc ça c'est bien par exemple dans les petits villages. Là, vous avez par exemple un projet au village. Regarde, faut que tu récupères ça parce que ça c'est pas important. Pour les sites agricoles par exemple. Parce que ici on peut par exemple mettre des projecteurs comme ça et puis la partie haut pour faire l'arrosage. Okay, on peut faire l'arrosage même automatique. On laisse le site, on va en ville, ça va arroser tout seul. Vous programmez, vous mettez les heures. À 18h, ça déclenche l'arrosage et après, ça ferme l'arrosage. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, après ce type de kit, on passe donc, ça, c'est par exemple la catégorie 1 de kit. Dans la même catégorie, il y a aussi ça. Donc, qui fait à peu près ça. Ok? Voilà, lampadaire. Tout ce qui est lampadaire, par exemple, il y a des sites ici, les gens qui ont des grands sites, pour avoir des lampadaires comme ça. Pour éviter les serpents et tout ça parce que c'est pas évident dans les villages. Après on passe à la catégorie 2. Là on trouve des kits qui alimentent toute la maison. Par exemple là la maison là elle est alimentée en catégorie 2. Donc ici vous avez un kit comme ça par exemple. Vous le branchez directement sur le disjoncteur de la SNE. Faites comme si vous étiez la SNE avec ça. Mais l'avantage c'est qu'ici, là, ce qu'ici, il n'y a pas de dépense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carburant, il y a juste, ouais, il y a le soleil, c'est tout. Donc vous avez vos kits, nous ici, on commence par mettre le soleil tous les jours, vous avez le courant en permanence. Mais il faut acheter un équipement pour avoir le courant, donc c'est ça. Ça marche, parce qu'un kit solaire ne fonctionne pas seulement avec un soleil qui tape, c'est juste la lumière du jour. Dès qu'il y a la lumière du jour, le matin, ça commence à charger. Après, il y a une différence entre quand il y a un grand soleil et quand il n'y a pas un grand soleil. Mais ça charge. Sinon en France, en France par exemple, en période comme ça, il n'y a pas de soleil, mais ça marche. Il y a des petits soleils. Donc ça marche toujours. Donc après ça, on passe. Donc ça c'est à peu près ça. Après on passe à la catégorie industrielle. La catégorie industrielle. Ça c'est top de top parce que ça c'est bien par exemple pour les hôpitaux. Vous voyez chez vous par exemple, j'ai déjà vu des situations graves du genre, on est en train de faire une opération, boum le courant part et quelqu'un meurt. Vous vous rendez compte? C'est aussi grave que tout. Et
là, avec ces kits-là, par exemple, à l'hôpital, ça, ça marche. Même ça aussi, hein, parce que nous, ça, on a mis ça, par exemple, dans les centres hospitaliers de l'église évangélique. On leur a proposé ça. Donc, à n'importe quelle heure, une femme qui veut accoucher la nuit dans les villages, il y a l'électricité. Mais, pour des grands centres comme ici, à Brazzaville, la meilleure, c'est d'utiliser ça. Ok? Je vais mettre une pause.